Pour la réalisation des piotestes aujourd'hui, nous allons donc commencer par forer à la tarière et ensuite injecter du béton à travers une pompe statique, puis rentrer la cage par vibrofonçage. Des capteurs ont été montés sur cette cage qui nous permettent de tirer des analyses suite aux essais qui auront lieu à la fin de ce mois. Sur l'ensemble du site de la tour, nous allons réaliser à peu près un millier de fondations profondes. Ici derrière moi, nous réalisons un test de pieux en compression. Donc, c'est un pieu d'une quinzaine de mètres, on soumet à une certaine charge. Le déplacement nous permet de valider nos hypothèses de calcul et valider donc l'ensemble des fondations sur le site. Nous réalisons ici un test d'excavation et de pompage. Ça consiste à décaper le sol par tranche d'environ 50 cm sur un total de 3 mètres. Au cours du test, j'analyse et j'interprète le type de sol qu'on rencontre. Ça nous permet d'anticiper le type de matériaux qu'on va excaver en cours de travaux. En même temps, on observe les différentes venues d'eau qui arrivent dans l'excavation et ça nous permet d'envisager le type de pompe et d'équipement qu'on va mettre en place en cours de travaux et les débits d'eau auxquels on va faire face. On se trouve actuellement sur la plateforme de travail des barrettes. Solcif a été employé par le groupement d'entreprises B6 TGCC pour les travaux de sous-traitance de fondations profondes. Travaux qui consistent à la mise en place de 1400 pieux et 104 barrettes. Les différentes étapes de mise en place d'une barrette consistent en premièrement la phase de perforation. Une fois que la perforation à 70 mètres est atteinte, vous faites ce que vous appelez un désablage, ça veut dire que vous enlevez le sable de la barrette. Une fois cette opération effectuée, vous installez la cage d'armature. Une fois que la cage d'armature est installée, on peut bétonner la barrette, remblayer la tête et la fondation est terminée en ce qui concerne les barrettes. Les travaux ont démarré il y a environ 3 semaines et sont prévus pour une durée totale de 6 mois. Il y a deux types de fondations sur ce projet-là. On a les barrettes, c'est pour les fondations de la tour proprement dit. Et il y a
Les pieux en arrière creuse, c'est pour le socle, pour le maintien de la tour. Ces fondations ont utilité le maintien et le support par rapport à la nature géologique du terrain. Donc on a exécuté jusqu'à maintenant 700 pieux sur les 1600 prévus sur le projet, qui peut évoluer par rapport à notre conception.